an wird mat he even kos pavrit. Un even ken kos se a zo et tu es arre kosan zo bro kavet e bro France. Met zo war lo d'honneur a an han venyan. Pes ne war ket zo war he man zo bue ba nivin se bue a korriganet. A gwenn un em glev a zo bet gret et tre tut pavrit a gal lut un eut se. Red vous la panvridis kempen ad nivin a ober war e dro hag e vo si o l'ar bue e ar barz. Si o la plujus e vo ar vue e panvrit, ya, beteg un de pe c'hoar vezo, un draval. Si tu bremañ, istor a nivin. Beaucoup d'entre vous connaissent l'if millénaire de Pomerit, recensé parmi les plus vieux arbres de France. Pourtant, peu de gens savent qu'il est le domaine des Korrigans. Les habitants de Pomerit ont conclu un pacte avec ces lutins. Ils se doivent de protéger l'if en échange d'une vie paisible dans les villages. Hélas, un jour, survint un grand malheur, mettant en péril ce fragile équilibre. Cette histoire se nomme Anivin. Quand la pluie tombait sur la Vouenne, quand la pluie tombait sur la Vouenne.
aussi faisait comme cela. Se repose un moment, tapons des pieds, frappons des mains, faisons quoi tour avec son voisin. Avouez-ne, avouez-ne, que le bon vent t'amène. Avouez-ne, avouez-ne, que le bon vent t'amène.
Thank you.
Ant en sourire gavaza, d'ar gerne redig bras, d'ar gerne redig bras. D'ar gerne redig bras, au maturin où l'on l'a. D'ar gerne redig bras, ni où elle n'aime la case. Zeri d'un an, zeri d'un closé, tu es du zigono, c'est une du zigono. Trop doux.
sont en colère. Tu crois qu'ils nous ont jeté un sort? Le monde tourne à l'envers. Thank you.
Oh, you make security. Yeah. Yes, security. Yes, security. Yes. Security. Yes. Yes. Que pensez-vous de l'économie actuelle de votre pays? What do you think about the economic situation of your country? Oh, nothing. Yeah. Hello. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Good evening, Monsieur le Président. Bienvenue à Pommery-le-Vicomte. Welcome to the town of Pommery-le-Vicomte. Oh, okay. What's your problem? Quel est le problème? Notre commune a été victime d'un incendie touchant l'arbre millénaire. There was a very old tree, you know, and it was burned by a terrible fire, so all people are very horrified. Oh my God! Yeah. Horrible. Yeah. Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez me proposer une solution. And so, can you find a solution in order to resolve that problem? Yeah, of course. Oui, bien sûr. I every time a solution. J'ai toujours une solution. For your problem. If I can destroy that tree, no problem. For me, in my country, there are three or four plagues and so many bones. And it's not a problem for me to destroy the tree, you know? Yeah. The problem is large. So, dans le pays, il y a beaucoup d'avions, bombes. Ce n'est pas un problème de détruire l'arbre. Plus d'arbres, plus de problèmes. Je ne pense pas que ça puisse être la solution. Je donne 5 ans. Oh, cool, cool, yeah! It's very cool, yeah, it's a good solution, I'm sure. I'm sure it's a good solution. Terrorist! Terrorist! Oh my God! Terrorist! Wow!
Non. Thank you.
Dix lunes, dix mers, dix mers, Ayota, 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 Ayota. Dix lunes, dix mers, dix mers, Adi Yawa, Adi Gwener, Adi Sardan, Adi Sud, Ayota, 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 Adi Sardan, Adi Sud, sais-tu un chumar zizu. Thank you.
Merci à vous. Merci à vous. Je voudrais juste dire quelques mots parce que pour monter un spectacle comme celui-là, il faut beaucoup de travail, bien sûr, et ça mérite quelques remerciements. Donc je voudrais remercier rapidement tous les danseurs, musiciens, comédiens qui ont participé à ce spectacle-là, et j'aurais pensé particulière pour les chorégraphes et pour Christophe. Mais je voudrais remercier aussi les personnes que vous n'avez pas vues sur scène et qui derrière ont vibré avec nous. Alors je vais citer les monitrices enfants, je vais citer ceux qui s'occupent des coiffes, des costumes, je vais citer celui qui arrose Liv depuis plusieurs années pour qu'il arrive à cette taille-là, etc. Tous se reconnaîtront. Je voudrais remercier aussi les techniciens sans lesquels ce spectacle-là n'aurait pas été possible. Donc je vais citer Pascal et Yann au son, je vous demande de les applaudir. À la lumière, et je vous demande de les applaudir aussi. Je voudrais remercier ceux qui nous ont aidés par leur dévouement, leur compétence et leur gentillesse à monter ce spectacle-là. Et je vous demande aussi d'applaudir Véronique et Maud, elles se reconnaîtront. Et je voudrais remercier aussi ceux qui, les élus qui nous ont fait confiance et qui, par leur soutien financier, ont permis la réalisation de ce spectacle. Donc la municipalité de Pont-Mouillé-les-Comps et le conseil général des Côtes d'Armor qui nous ont beaucoup aidés financièrement à monter ce projet, et on les remercie beaucoup. Enfin, je voudrais vous remercier d'être venus nous soutenir et d'avoir partagé ce moment de bonheur, j'espère, avec nous. Et je vous demande aux danseurs et musiciens de vous applaudir. Terminer comme ça, on va pas se quitter comme ça sans échanger quelques mots, il n'y a rien. Et pour que la soirée puisse continuer, on va improviser un petit fais-donce avec les musiciens qui sont là. Donc je vais vous demander quelques patience, le bar, quelques secondes de patience ou quelques minutes. Le bar est ouvert de toute façon, vous avez bien mérité un petit coup, et nous aussi d'ailleurs. Et le temps de débayer un petit peu les chaises, on va démarrer un petit fais-donce comme ça pour histoire de continuer la soirée ensemble. Merci. Bravo, Jean.